Go ahead, sir. Francis, Francis, ici, voilà. Deux questions en français, s'il te plaît. Au regard de ce que la France t'a apporté, puis c'est vrai qu'au début de votre carrière, vous aviez souvent, lors de vos entrées, le drapeau camerounais et le drapeau français. Habitude que vous avez perdue par la suite. Mais ma question, c'était tout simplement de savoir, au regard de tout ce que la France vous a apporté au début de votre carrière dans le MMA, est-ce qu'on peut dire que samedi, c'est un peu un combat franco-français pour ce championnat du monde? Moi, je te retournerai la question parce que... Go ahead, sir. Regarding what France brought to you, at the time you had the Cameroonian flag and the French flag, will it be a fight between France and France? Je te retournerai la question parce que selon certains de vos articles, j'ai été présenté comme Camerounais. Et récemment, je porte pas régulièrement de drapeau, donc je ne sais pas. Je ne sais pas si à un moment vous avez eu l'impression que j'ai délaissé ça, mais je ne porte pas de drapeau. Et je suis par contre reconnaissant pour ce que la France m'a apporté dans ma carrière en tant que combattant sud-ou. Et bon, ça me dit. Je combattrai en tant que Français ou Camerounais. C'est ça la question? I'm returning the question to you. I don't carry a flag. I am grateful for what France brought to me. Et dernière question. Ce combat, c'est quelque chose d'étrange, certainement, de se dire qu'il y aura dans le coin de votre adversaire celui qui, entre guillemets, vous a tout appris. Il est juste au premier rang. Fernand Lopez, c'est compliqué de se dire que face à soi, on a un combattant, Cyril Gane, très fort, et aussi un entraîneur qui vous connaît des pieds à la tête. Non, pas du pied, pas du... In the corner of your opponent, there will be a coach, the one who trained you. Is that strange? Non, ce ne serait pas du tout compliqué, déjà, parce qu'il ne me connaît pas du pied à la tête. La preuve, on s'est séparés, je n'étais pas champion du monde. J'ai perdu le championnat du monde et je suis revenu ici. Aujourd'hui, je suis champion du monde. Donc, il y a une grosse différence entre le Francis de ce jour et le Francis d'aujourd'hui.